Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia! Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne ? Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondent « Le premier ». Jésus leur dit « Amen ». Je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je pense qu'il y a encore de la place. Si vous voulez vous asseoir, il doit y avoir quelques places. Il y a encore deux places ici, trois places là. N'hésitez pas à avancer. Voilà, venez, venez. C'est beau de voir cette église toute remplie. Voilà, venez. Il y a de la place, trois places ici, quatre même. Et encore une ici. Sébastien, tu as une place ici. Voilà. Voilà. Alors, je crois que cette histoire-là de père qui demande à ses enfants un travail... Là, le travail à la vigne, Saint-Vincent des Vignes aujourd'hui, c'est une histoire qui ne doit pas être sans écho pour beaucoup. Hein. On demande à un enfant qui a deux enfants, un a pas mal de caractère, aime sa liberté, on lui demande de faire un travail, il s'affirme en disant « ça va, moi ça ne m'intéresse pas ». Et puis après, c'est un bon, hein, il est tonique. Il se met à réfléchir, il dit finalement, c'est peut-être bien que j'y aille. Et puis l'autre, oh, il est très sympa, hein. Ah oui, cool, hein, pas de problème. Et, oh, oui, bien sûr, papa, j'y vais tout de suite. Et puis voilà que 2 heures passent, il est toujours sur son smartphone. Bon, c'est pas inhabituel, hein. Et puis même dans nos vies à nous, hein, vous êtes d'accord? On dit facilement oui. Et puis on prend son temps, arrive le soir, on n'a pas fait ce qu'on avait dit. Alors, derrière cette petite histoire très, finalement, familière et assez légère, il y a un drame qui se joue. Il faut situer cet évangile. C'est juste après, il y a 2 événements importants. Vous savez ce qu'on fait au rameau? C'est l'arrivée de Jésus à Jérusalem et il y a des gens qui l'attendent, des gens qui sont convaincus de ce qu'il dit et qui vont l'acclamer, l'accueillir avec joie. Et puis, juste après, il va chasser les marchands du temple. Eh bien, ça ne plaît pas du tout. Cette histoire de chasser les marchands du temple ne va pas plaire du tout à ceux qui sont en charge d'administrer le temple, aux chefs religieux et tout ça. Et commence à se monter une véritable colère contre Jésus, qui était déjà bien présente. Et on va l'interpeller juste avant cette scène en lui disant « Mais de quel droit
avec quelle autorité, toi, le fils du charpentier de Nazareth, tu viens bousculer nos habitudes et nous dire ce qu'on a à faire? De quel droit? Et derrière ça, il y a des menaces qui commencent à planer sérieusement parce qu'ils commencent à déplaire beaucoup à ceux qui sont en responsabilité. On ne dérange pas comme ça impunément ce qui s'est toujours fait. On ne bouge rien ici. Voilà. Alors, Jésus va répondre par cette petite histoire. Et derrière ça, eh bien, ce qu'il leur dit, c'est que, à l'image voilà, de ces fils, vous allez pouvoir vous identifier, vous qui vous prétendez donner des leçons et me dire ce que je dois dire ou ne pas dire, et donner la loi aussi pour faire peser des pesants fardeaux sur beaucoup de gens, eh bien, je vous raconte une histoire. Vous allez essayer de vous reconnaître. Jésus leur dit, vous savez, eh bien, cette vigne, dans toute la parole, dans toute la Bible, cette vigne représente ce monde nouveau qui arrive. Ce monde que vous, chefs des prêtres et chefs religieux, vous avez la charge d'annoncer pour rassembler le peuple. Eh bien, cette vigne à laquelle vous êtes appelés à vous mettre au travail et à amener tout le monde à rentrer dans cette fête de la vigne, fête du monde nouveau, eh bien, vous n'allez plus en être responsable parce que vous êtes disqualifié, parce que vous n'écoutez rien, parce que vous êtes bloqué dans vos habitudes et dans vos traditions qui vous enferment. Alors, vous savez, je vais mettre à votre place des personnes que je vais désigner. Et ces personnes, eh bien, ce sont ces publicains que vous détestez parce que vous dites qu'ils travaillent avec l'adversaire, avec l'ennemi, le Romain, parce qu'ils viennent entacher la réputation du peuple. Et puis les prostituées que vous jugez si facilement, eh bien, voilà mes nouveaux conseillers, les nouveaux guides, ce sera les publicains et les prostituées. Ça, ça passe pas du tout, hein. Ça ne passe pas du tout. Comment, nous, qui sommes à l'œuvre depuis des générations et des générations, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient déjà dans la droite ligne, et vous allez mettre des publicains et des prostituées pour nous guider? Et c'est quoi cette histoire? Vous doutez bien que ça va faire monter encore un peu la pression, hein? Ça va faire monter la pression. Mais évidemment, Jésus ne met pas comme idéal le fait de travailler avec des gens sans foi ni loi, comme sont les publicains. Il ne met pas comme idéal la prostitution, mais il met comme idéal la manière dont ces êtres qu'on juge facilement, qu'on rejette, se sont ouverts à la parole de vie, ont compris qu'un chemin était ouvert pour eux et qu'ils pouvaient réinventer leur vie parce qu'ils sont aimés. Ces gens se sont ouverts à la parole de Jean-Baptiste et se sont ouverts à la parole de Jésus. Et Jésus les met vraiment en vedette, en lumière, la beauté de ces vies qui se sont ouvertes. Alors qu'on les cataloguait, qu'on les classait, qu'on les rejetait, Jésus voit en eux la beauté de cœur qui sont ouverts à la nouveauté de l'amour. Alors que ces gens s'y installés se sont enfermés dans leur certitude, leur jugement, leur rejet. Vous savez, il y a une autre parabole où on voit un homme qui est dans une synagogue là et qui voit, ou dans un temple, et qui voit au fond de l'église un publicain, justement un pécheur, et qui se met devant Dieu, qui dit « Merci Seigneur, merci, je suis si bien grâce à toi, mais je suis si bien ». Alors que cet homme là-bas qui est au fond, il n'est même pas digne d'avancer. Il ferait mieux d'être dehors d'ailleurs. Je ne vous parle pas pour vous qui êtes au fond, hein. Debout en plus. Mais vous voyez ce que Jésus pointe là, c'est que ce qui est contre la vie qu'il amène, c'est la certitude que nous sommes irréprochables, que nous avons fait tout ce qu'il fallait et qu'aucune nouveauté ne nous est demandée. Ce que le Christ nous demande, c'est d'être ouvert à l'autre, à la parole et à l'avenir. Il y a un moine
que je connaissais, qui s'appelle André Louf, qui était abbé de son monastère dans le nord de la France, au Mont des Capes, pas loin de Lille. Et il raconte cette histoire. Quand il était abbé de son abbaye, il y avait un moine qui était tout à fait impeccable. Il faisait tout ce qu'il fallait, il était toujours à l'heure à l'office, il faisait toutes les règles prescrites. Il était vraiment la règle vivante. Et aussi parfait pour juger les autres, mais d'une perfection pour voir tous les défauts des autres. Ça, il était excellent. Pour voir celui-ci est en retard, celui-là a mangé de trop, le troisième, il est toujours en train de dormir pendant l'office. Ah, c'était parfait. Une règle vivante. Et puis un jour, cet homme parfait, tout à fait parfait, a fait une énorme faute dans le cadre du monastère. Énorme. Stupéfiant. Il était déjà âgé. Et à ce moment-là, il s'est effondré. Une véritable dépression. Comment ? Moi qui suis si parfait, je me suis cassé la figure complètement. Eh bien, ce moment où il est tombé, où n'a plus vécu cette règle qui était son idéal, eh bien, ça a été le moment de son salut. Parce qu'à ce moment-là, il s'est découvert quand même aimé de ses frères, aimé de Dieu, pardonné. Il n'était plus dans cette image idéalisée de lui-même, mais il découvrait que tout pauvre qu'il était, eh bien, il pouvait vivre dans le monastère et aimer ses frères, sur lequel d'ailleurs, je vous dirais, il apportait un regard tout à fait différent. Tout à fait différent. Eh bien, cet homme est mort dans la paix, parce qu'il avait fait l'expérience de l'amour gratuit qu'il recevait, qu'il pouvait donner. C'est une belle illustration de cet évangile d'aujourd'hui. Ce qui peut nous sauver, faire de nous cette vigne, ce peuple nouveau, ce fait pour la fête, et une fête qui se diffuse tout autour de nous, dans plus moyen, une fête de vie, c'est que nous comprenions que finalement, on est aimé gratuitement, et que les autres aussi, qu'on n'a aucun regard à porter négatif sur les autres, et que si on accueille humblement cet amour gratuit, on peut devenir vraiment des messagers de bonnes nouvelles. L'évangile, ce n'est pas une charge qui viendrait nous écraser. C'est le bonheur d'un amour qui nous fait cheminer à notre rythme pour aller ensemble vers un monde nouveau. Bien que le Seigneur nous donne de retrouver cette saveur de l'évangile, qui est la saveur de la vigne, des fleurs, du vin joyeux pour lequel nous sommes faits, cette fête qui est cette invitation que nous attendons en fait tous. Hein. On n'a pas envie d'un monde triste, on a envie d'un monde joyeux, solidaire et qui marche vers l'avenir avec confiance. Bien que le Seigneur nous donne d'être ensemble témoins de cette vie bonne et belle.